L'hygrophore écarlate, Hygrocyb coccinea. Un magnifique champignon. Le chapeau mesure de 1 à 5 cm. Il est un peu gras au toucher, rouge vif à rouge orangé. Voilà, tout simplement magnifique. Vraiment un rouge intense. Les lames sont adnées, rouges orangées, rarement jaunes, comportant une arête plus pâle. Le pied est court, il mesure de 2 à 6 cm, avec un diamètre maximum de 0,7 cm. Il est sec, lisse et mat, rouge à base jaune. On peut le voir à la base du pied. Voilà, très visible sur ces images. La saveur de ce champignon est douce, l'odeur est faible. On rencontrera l'Hygrocyb coccinea dans l'herbe des prés et des prairies, plutôt non fertilisées et parfois aussi dans les bois. Et c'est une espèce peu courante. On peut la retrouver en automne, mais aussi au printemps, comme ici. Les spores de ce champignon sont elliptiques. On pourrait le confondre avec l'hygrophore rouge ponceau, mais qui est plus gros de taille et qui comportera des lames échancrées et un pied nettement fibrilleux. Compte tenu de sa taille, ce champignon ne se prête pas à la consommation et est considéré comme non comestible, bien qu'il ne soit pas toxique. Et étant donné sa rareté, il vaut mieux le laisser sur place. Voilà, un petit exemplaire ici, qui commence à éclore. Donc voilà pour cette vidéo concernant ce magnifique champignon, Hygrocyb coccinea. Bonne balade et bonne cueillette.